Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et voilà, frères et sœurs, bonjour à tous, à de tous. Et bonjour aussi à tous ceux qui prennent ce live et qui pas dans l'église ce matin. Et aussi à ceux qui éparpillés dans le monde entier, qui me connaissent de te regarder. Et merci de la bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Et ce matin, par la grâce de Dieu, si nous sommes capables d'apporter la parole de Dieu, ce servant de ce moyen, et Facebook, c'est toujours une grâce, c'est toujours une façon à partager la parole de Dieu. C'est le commandement de Dieu. Avant d'aller plus loin, laisse-nous dire le Seigneur merci. Ô Dieu, mon bénédicteur, merci. Merci pour tout, Seigneur. Tout ce qui est arrivé jusqu'à grand matin, tu ne passes en bas de ton contrôle, Seigneur. Chaque dimanche qui est présent ici devant moi et aussi ailleurs, qui pour écouter ce message ce matin, cette partage ce matin, il est pour grandir, Seigneur, pour comprendre où est la vérité, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, merci dans le nom de Jésus-Christ pour l'assistance de ton esprit qui apporte une révélation, Seigneur. Qui éclaire la parole de Dieu, pour nous dire bien, Seigneur, parce qu'il te vient établir le Seigneur, le Saint-Esprit, justement pour éclairer nous. Toute la gloire y revenir à toi. Merci, notre Dieu. Amen. Alors voilà. Ce matin, je vais prendre un sujet très, très important. Pourquoi très important? Parce qu'il y paraît que personne ne peut tirer la sonnette d'alarme d'une histoire qui peut dérouler pendant beaucoup d'années. Pendant beaucoup d'années. Et, comment je vous disais, dimanche dernier, nous ne connaissons pas l'éclair bon Dieu, on explique les droits de ses affaires, quoi qu'il sait pas tout. Mais aujourd'hui, c'est le diable qui m'en envie, nous comprend bien. Si nous ne pas bien connaissons l'ennemi, que la guerre qui nous pourra mener, nous pour faillir. Si l'envie oppose le diable, nous avons besoin bien connaître le diable. Alors ce matin, justement, vous m'appelez des amis, le diable, dans une façon bien importante, et afin de nous bien comprendre. Pour cela, je vais lire un premier verset, qui trouve dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 4, et le verset 10. Moi, je ne vais pas vous lire le chapitre 4, peut-être, mais le verset 10 qui est intéressant. Alors, c'est le verset 8, sinon, on dit le verset 8, qui vous permet de nous comprendre. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra, tous les royaumes du monde et leur gloire. Comment ça s'est passé? C'est en esprit, ça, hein? D'un clin d'œil, il fait ça. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors Jésus lui répondit, retiens-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. Ça mot lui seul, là, vous l'intéressez. Te servir, lui du ciel. Bon. Très souvent, moi, là-bas, je fais un retrait. Quand j'écris le montant en lettres, quand j'écris le montant, on peut retirer en lettres. Je toujours mets cette histoire, on lit après. 2000. 2000 only. Pourquoi only? C'est un peu un God fou. Pour moi, c'est un peu un God fou. Peut-être qu'il y a une autre interprétation. Pour qu'il ne puisse pas ajouter, non, rien après. Parce qu'il y a 900 et quelques après. 2000, 900 et quelques après. Ben, c'est moi qui vous souffre. Only là, il y a un God fou. Mais là, quand il y a un adore bon Dieu, ce tu sais, il y a aussi même histoire, c'est un God fou. Parce qu'il kiffe. Et un mal qui peut dérouler, mon bon Dieu, ça très clairement, je vous dis. Et mon bon Dieu, une affaire qui paraît bien dérangeant. Beaucoup d'églises mixent l'adoration. Le diable et en même temps Dieu. C'est avec tous les églises. C'est ça le danger. Mon bon bien clair, là, c'est le prends patience, écoute-moi pendant. Tu sais, les bons moments qui m'ont proposé. Et il y a un vrai danger. Et maintenant, écoute ça bien. Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu. Ça n'est pas une discussion pour personne. Bien vu. Maintenant, c'est la partie homme de Jésus qui le diable peut dire adore-moi. Il ne peut pas dire la partie Dieu. On n'est pas capable de faire ça.
C'est compliqué de vous expliquer, mais technique, comment y est-il? C'est la partie homme de Jésus qui le diable dit, bon, donne-toi tout ça, gloire du monde là, et adore-moi. Maintenant, quand il dit ça, pour moi, c'est voilà le picture qui est là, le image qui est là. Comment il y a un nouveau homme? Comment il y a un nouveau homme, un new man, qui libère du cycle l'adoration, du rôle de l'adoration et tout. Ça donne moins le caractère du diable qui, c'est un vrai gourmand d'adoration. Il fait tout ce qu'il est capable, vous m'éclairez d'ailleurs, pour les gagner l'adoration des hommes. Là, il gagne new, le nouveau Adam. La Bible appelle Jésus-Christ un deuxième Adam. Donc, il gagne new man là. Il gagne ça, ce qu'il peut rôder, il peut rôder l'adoration de cet homme. Mais Jésus-Christ, gloire à Dieu, homme qui était à sa transe là, à sa période là, et il réfléchit, il dit non, alors on dit ce que tu sais. Donc, guette le danger que tu trouves là. Le diable, il y a quelqu'un qui soif l'adoration, et il a tout de suite sur l'opportunité pour l'adoration de cet homme, qui est Jésus. Bon. Et Satan dit tout le temps, comment le dire, mingle, les mélange, là que tu es dans les enfants de Dieu. Et mon Jésus nous dit, pas pour avoir mal, mais pour éclairer, beaucoup d'églises dans le monde entier. Vous dire beaucoup. Je te mingle, je bien drôle. En même temps le diable et en même temps Dieu. Voilà le danger qui peut aller en ce moment. Bon. Satan dit tout le temps mingle. Regarde ça. Quand un fils de Dieu dans le livre de Job, il n'a le devant Dieu. Quand un fils de Dieu n'a le devant Dieu, il mélangeait qu'il a les vies aussi. Il mélangeait qu'il a là-bas le présent, il est aussi là-bas. Et pour moi, ce qui intéresse, moi, c'est à côté ce désir de mélanger, de mingle, comment le dire, de mélanger. C'est ça qui est intéressant là-dedans. Il a envie d'aller aussi et il a allé. Bon, ok, c'est bon. Quand je lis Ésaïe 14, je trouve le fond de ce litière. On peut dire le Lucifer, hein. C'est qu'il a envie de prendre la place de Dieu. Et quelque chose. Vous ne connaissez pas, quand il y a cette pensée, il a envie de prendre la place de Dieu. Pourquoi? Justement à cause de l'adoration que Dieu gagnait. Et dont lui-même était le chef d'orchestre. Lui-même était le chef cadeau du Seigneur. Le ministère de l'adoration était confié à lui. Et il a envie de prendre ça. Et si ce moment d'autre qui le diable, il a intégré beaucoup l'église. Et il veut prendre l'adoration sans qu'il tienne rébordé. Qu'il veut donner ça au diable, mais pas à Dieu. Je me présente à Dieu. Il est là que Jésus me dit un jour, retirez-le de mon parc de Dieu. Et pas dit, Jésus dit à mon parc de Dieu. Et si mon cause créole, on m'a mis à côté. Mon sami de Dieu. Mon frère aussi. Hein. Pour une grande déception. Hein. Ou croire au péché de Christ. Ou croire dans la présence de Dieu. Ou péché le nom de Jésus, tout là. Hein. Sans réaliser. Dis-moi une claire là. Sans réaliser. Puis alors le diable. Pour vous montrer où tu allais là. Écoute-moi bien maintenant. Merci Seigneur. Et l'un des dangers, c'est qui ne pas faire attention. L'apôtre Paul dit comme ça bien que le diable l'est déguisé en l'ange de lumière. Get ça danger. C'est un monde qui est déguisé. Comment on va le connaître? Je me rappelle dans les années, je crois, 93, je crois, si je ne me trompe pas, il y avait plusieurs Saddam Hussein. Plusieurs ceux-ci, quoi. On ne sait pas. Tu vois? Pourquoi déguiser? Déguiser, c'est faire passe pour un autre qui gagne. C'est le but de l'ennemi qui a envie de déguiser. Et la réponse est bien attention, il y a comme ça. Et mon content quand on prie dans la Bible, dit comme ça, vous n'avez pas connu les profondeurs du diable. Quand nous lisons la Bible, nous disons attention à Bango. Hein. Fais bien attention à Bango. Vous n'avez pas connu les profondeurs du diable. Il vient lui déguiser. Le diable rentre dans l'église, vous pouvez croire, vous pouvez servir le Seigneur, vous pouvez faire tout ce qu'il vient faire. Ben, maybe, vous dire. Maybe. It's not God. C'est pas Dieu. Vous allez bien clair, là. Mon vie, faire une introduction là-bas.
Merci Seigneur. Satan nous faisait réaliser qu'il lui aussi une give. Donc quand on recive, on dit c'est Dieu. Bien attention, il y a une give lui aussi. Et qu'il y a Jésus-Christ, ça me donne toi tout ça la gloire là. Me donne-toi tout ça la gloire là. C'est notre débat quotidien, ça c'est notre débat. Mais il y a une give, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Il y a une give. Et le diable, lui, là que tu n'as la présence de Dieu, il est présent lui aussi. Vous direz à l'église, il est extra présent, il est présent. Vous direz, on va prier là, il est présent là. Parce qu'il remarque le palais de Pharaon. Dans même la salle qui Moïse peut pas faire un miracle, pour prouver l'existence de Dieu, ben, il y avait aussi des sorciers. Et les sorciers faisaient quoi? Faire les mêmes choses qui Moïse fait faire. Mêmes affaires. Mais quoi, nous mal connu le diable, nous mal connu l'ennemi. Et je vous dis beaucoup l'église. Vous ne pouvez pas mettre 100%, vous choquez si vous mettez 100%. Si vous qualifiez 100%, vous pouvez choquer. Peut-être à la fin, vous verrez. Mais c'est le diable, carrément, carrément. Merci Seigneur. Et les, tout le temps, les copies, ce qui Dieu fait. Merci Jésus. Laisse-moi que je garde mon introduction un petit peu plus longue. Dans le jardin d'Eden, et le diable, et Dieu, because and même subject, ne mange pas, pardon, et le diable, et Dieu, because le même subject, le même sujet, concernant le fruit. Manger ou pas, manger ou pas, manger ou pas. Je même subject, le fruit. Pourquoi vous savez que ça l'a envie? Pourquoi le diable et Dieu cause même sujet? Même sujet, Adam et Ève, puis cause quoi? Quand vous écoutez, puis cause quoi là? Puis cause fruit. Puis cause même sujet. Tout ça, ça danger qu'ils ont dit, beaucoup d'églises, ils tremblent là-dedans, et personne ne tient la sonnette d'alarme. Merci Seigneur, vous tient la sonnette d'alarme ce matin. Mais tout bien en garde comme ça. Vous voyez, le chrétien fait grandir. On a presque 45 ans conversion. Vous voyez que le chrétien grandit dans un mauvais concept du diable. Vous avez dit qu'il a raconté qui. Tiens-moi ça. Merci Seigneur. Lénu. Voilà. Bien. Voilà, écoute-moi. Le chrétien est un mauvais concept du diable. Oui, il vient de raconter, supposément, hein, c'est dans ça quelque part, le diable se trône, pardon, Lucifer se trône, et qui cite le nom de Jésus devant lui, et le sable se trône, il tombe. À ses yeux. Regarde ça maintenant. C'est une fausse histoire, cette histoire. À ses yeux. Non, j'ai du mal pour comprendre le diable, merci Seigneur. Le diable est capable dans la présence de Dieu, dans la sainte demeure de Dieu, dans le royaume de Dieu. Vous venez que Dieu paraît dans le ciel. Non, ça c'est bidon. Non. Dieu au ciel, c'est quoi? Mais Dieu ne crée ciel, avant de créer ça, comme il crée ciel. Bon, le débat. Le diable, il rentre dans la sainte demeure de Dieu. Il cause avec le Père à l'aise. Dans le cas de Job, il trouve ça. Soit, c'est là qu'il vient de ça, il s'appelle le trône de mon bécon. Il peut causer avec Jésus-Christ directement. Dans sa passage, mon trône là. Quand il s'appelle le trône de mon bécon. Non, je ne m'en comprends pas le diable. Le diable, il est capable d'être dans la présence de Dieu, dans la sainte demeure de Dieu. Dans le royaume de Dieu, dans les fils de Dieu, dans les aussi. Et il est en conversation avec Dieu. D'où viens-tu? Lui dit Dieu. Ben, vous promenez, casser une pause, virer, tourner, contrôle ce qu'il a au domaine. Assez arrogant, hein? Non, nous ne m'en comprenons le diable. Pourquoi le diable est dans l'église? Hey, assez lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'église est bon Dieu.
quand Jésus-Christ sortit dans le jeûne et la prière pendant 40 jours, c'est un Jésus full anointing là. Et le diable donne dans la tentation. Et il va lui dire, non, c'est pas vrai ça. À quoi que le diable donne, God se distance en Dieu. Non. Beaucoup croyants auraient dit ça. Que c'est lui monter, lui toucher. Pourquoi lui toucher? C'est un God fou ça. Only. Qui fait hein? Parce que quand même, c'est lui le diable en même temps. Mais beaucoup d'un conseil qui se donne à 20 moments. Le diable lui-même lui priait. Là, c'est une image vilaine et vilaine. Lui priait et lui gagne l'exaucement de cela prier. Il y a ma côté de ça. Seigneur, il nous rend de sa mettre que son nom. Et prayer granted. Prayer granted. Le Christ accomplit. Le Christ exauce sur la prière. Non, je ne mal connais le diable, le croyant. Le chrétien, excuse-moi, on mal connaît le diable. Merci Jésus. Quand Jésus-Christ c'est comme ça que mon temps, mon Dieu, de toute l'équerre, de toute l'âme, de toute pensée, de toute la force, pourquoi il y a aussi en détail comme ça? C'est mon Dieu aussi en détail comme ça. Mon temps, mon Dieu, de toute l'équerre, de toute l'âme, de toute pensée, de toute la force. Tu verras. Parce que si tu comptes en 50%, l'autre 50% te compte dans le cœur. L'autre 50% te compte en bon. Si tu comptes en bon 75%, l'autre 25%. Pas pour être neutre, pénant. L'autre 25% c'est le diable. L'autre 25% c'est le diable. À cause même, Jésus-Christ dit comme ça, compte en bon de toute l'équerre, de toute l'âme, de toute la force, et voir que la liste est en haut là-bas. Mais elle est Matthieu 22. Elle est une danse extraordinaire. Merci Jésus. Maintenant, quand il y a un mélange de l'adoration dans une congrégation de croyants qui nous aiment, si vous perdez en même temps bon Dieu, en même temps le diable, qui t'a même beaucoup compliqué, vous aurez dit ça, considérez ça avec moi. Vous voyez quoi arriver? Dieu gentiment va partir. Ouais, gentiment il va aller. Tout doucement il va aller. Sans même vous révoquer. Sans son parcourir le bon Dieu. Non. Dans la Genèse, avec le bon Dieu, il retient lui. Non, bon Dieu, c'est comme ça. Si vous pouvez mix, mélange d'adoration, vous pouvez servir en même temps le Dieu. Sa congrégation, là, peut servir le Dieu en même temps le diable. Il amène faux le kid en même temps. Oh là 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 là. Dieu, gentiment, il vous retient. Et vous coule d'oser maintenant, est totalement dans les griffes du diable. Merci Jésus. C'est très dangereux. Merci Jésus. C'est un petit qu'elle joue pour défier ça. Imagine ce scénario-là. Seigneur, nous sens des mots en ton nom. Seigneur, nous fais un miracle en ton nom. Seigneur, nous prophétiser en ton nom. Ah bon? Ça m'est un conduit. Mais Seigneur, que ça te fait un miracle là? C'était pas moi. Ah bon? Même miracle, même prophétie, c'était pas moi. Combien congrégation? Et la prophétie. Combien congrégation? Et la miracle. Combien congrégation? Et la manie. Quand il s'est passé. Mais que vous faites si je vous dis pas moi ça? Pas moi ça. Est-ce que vous arrivez après la mort pour pouvoir y comprendre que je vous dis pas dit ça? Je vous dis ça, c'est l'aime. Comme ça, on ne peut pas corriger ce qu'elle a. Je vous dis, on peut dire ça, il faut corriger. Pas attendre ça les jours, là, quand le Christ dit, hé, ça va être toi, moi. Non, mon frère, monsieur. Vous pouvez tirer sur les dialogues. Le Christ m'a loin pour éloigner. Et si ça m'est arrivé, vous pouvez servir le diable sans la route d'autre. Sans la route. Vous dites, comme ça, le diable a fait un miracle, une prophétie, tout. Si. Jésus-Christ dit comme ça, vous pouvez citer, on ne va pas le dire. Jésus-Christ dit comme ça, il y aura des faux prophètes. Qui vous fait un grand miracle. Ah là 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 là. Si tu as un faux prophète, ah non, lire, faire attention. Si tu as un faux prophète, tu vas me servir Dieu, tu vas me servir le diable, et tu fais un grand miracle, c'est un peu bac, toi. Mon spirituel est bac, toi, c'est le diable. Mon frère, mon sœur, trop beaucoup de monde est assis au miracle. Le fou le royer quand on met un miracle, un grand miracle, une grande prophétie, une grande libération.
Écoute-moi bien le diable est copié. Écoute-moi bien le diable est copié, il fait ça. Il y a une give. Il vous guérit toi lui aussi. Mais si il vous guérit toi. Pour qui faire? Pour amener toi ça un grand jour que Jésus-Christ vient voir comme toi là. Et allez mourir, toi là. Te diabora. Te déçu. Mais il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Te marier? Te marier? Mieux vaut écouter le pasteur Goura, je vous dis, toi, prends garde. Prends garde. On met tant en garde qu'on en couvre vivant l'eau la pierre. On met tant en garde, merci Seigneur. Merci Jésus. Très important. Adoration mixte. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Afin que tu ne te gagnes cette déception-là. Beaucoup d'hommes de Dieu ont dit, de sa illusion-là. C'est quoi une illusion? Tu peux faire des affaires, te croire comme ça, il n'est pas comme ça. Beaucoup d'hommes de Dieu ont dit de sa illusion-là. Beaucoup croyants. Mais dit, beaucoup de congrégations, je vais faire une mixte adoration, en mettant le diable et en mettant Dieu. Sans connaître Dieu, ne retient. Sans connaître Dieu, ne retient là-dedans. Les villages. Mais la spiritualité est contient. Il est contient. Bon, on s'en fait un petit moment. Merci Seigneur. Comment on peut capable distinguer qui congrégation peut servir que Dieu unique, lui seul, et non pas le diable là-dedans? Comment vous connaissez ça? Vous montrez au bas de réfléchir. Vous montrez au bas de réfléchir. Frère Gora, comment vous connaissez que l'église vous vient aller, ne peut servir que Dieu seul, lui seul, lui seul, only. Et puis là, elle mêle avec le diable là-dedans. Comment vous connaissez ça, frère Gora? Ça, elle vous dit, vous écoutez ça bien. Dites-moi le leader. Si vous ne trouvez pas l'amour dans moi, si vous trouvez l'arrogance dans moi, si vous trouvez moi mes méprises, Simon, si vous trouvez moi me faire quelque chose qui n'est pas vide de Dieu, qui n'est pas vide du Saint-Esprit, vous orgueilleux, vous orgueilleux, vous me manipulez, point de guerre, vous me dire son guide, vous me dire. Pas besoin de monter aux montagnes. Pas besoin de monter aux montagnes pour connaître sa pasteur Gora dans les fosses. C'est dans l'amour, mon frère, mon sœur. Vous connaissez beaucoup de leaders, je vous dis, arrogants. Un 16, pas vous lever. Moi, mon cas, pas lever, amener, suyer moi-même. Non. Monsieur est le pasteur, on ne peut pas suivre 16. Vous faites peut-être un clip. Monsieur Poutine, quand il est assisé, vous êtes resté sur 16, on va aller. Et qui place de l'île, et là, monsieur, c'est le président de l'Ukraine, dit Mayan 16, Pévini. Mayan 16, Pévini, mais ce 16, la fille de là. Oh, là. Ça contraste ça, vous dites ça, vous dites, ouais. Si dans l'église, vous m'approuvez l'amour, fuyez l'église. Run! Run! Mais il y a l'amour, run! Il y a l'arrogance, run! Il y a le diable. Il y a la peine. Si vous ne trouvez pas un fruit qui galate 5, 22 aussi. Si vous ne trouvez dans le leader qui peut essayer avec vous, moi le pasteur, galate 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, vous faites preuve d'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Merci Seigneur. Si vous ne trouvez pas un fruit de l'esprit dans l'homme de Dieu en question, moi là, par exemple. Run. Fun. Somewhere in a mingle. Pas capable d'un homme de Dieu, c'est le Seigneur, et ou arrogant, mesquin, partisan. Ça n'a rien d'être moi prier pour lui. Vous avez dit, ouais, ça va, frère, ça va, te bonnet, le diable. Ça n'a rien d'être moi. Vous avez dit, non, tantôt. C'est quoi? Différentes versions ou différents dimons parce qu'elle a différents figures. So what? Strong, strong. Vous pouvez tirer la solide d'alors. Vous pouvez tirer la solide d'alors ce matin. Merci Seigneur. Montre le diable, je mal connais le diable, mal connais. Si vous ne trouvez pas l'amour, si vous ne trouvez pas le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, c'est pas une bonne église pour moi. C'est pas une bonne église. Écoute-moi bien maintenant, merci Seigneur. Vous montrez quand est le diable, quand on dit que Jésus-Christ est là, il rush to get the new man pour worship lui. Il rush, bien bon.
Et Moïse, on a fait quelques raisons de vous. Merci Seigneur. 40 jours, Moïse absent. 40 jours. 40 jours, c'est quoi le mois 10 jours? 40 jours. Pas beaucoup dans le mois 10 jours. Un mois 10 jours, Moïse absent. Et Moïse, il laisse son emprunt dans sa congrégation qui a à peu près 3, 4, 7. On ne sait pas combien de millions de monde qui est dans les groupes. Right? Mais là, quand Moïse vient, l'homme le plus patient qui Dieu dit, c'est Moïse. Avec un homme comme ça, comment il disparaît 40 jours? La congrégation gâtée. Je pousse prête là, Aaron, on n'est pas d'un côté, hein. Je pousse prête, Aaron. Maintenant, les temps manquent, pour que je qui est Aaron. Je fais les jeunes voyous de Dieu. Je substituer Dieu. À qui rapidité, papa? À qui rapidité? À qui rapidité? Le diable fait son entrée. 40 jours seulement, Moïse, voilà. Il est remplacé par une photo. Il est remplacé par une photo. Qui vous permet de dire? Comment on raconte tout cela? Aucune place vide, le diable partit. Il est pour rentrer, pour prendre toute place vide. Et ça, avec une rapidité extraordinaire. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ou pas cap. Il y a l'espoir, ça lui dit, l'espoir, le diable, l'espoir. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Maintenant, on est là, tu vas arriver. Donc, c'est les versets qui aiment ça. Et, tu vas gagner, on critique l'homme de Dieu. Ah, critique-moi. Moi, l'homme de Dieu, moi, pas critique-moi. Pas critique-moi. Beaucoup veillent à moi derrière. En même temps que moi, me veillent à moi. Moi, j'ai un caractère arrogant, j'ai un caractère bien vilain. Je n'ai pas vécu dans l'amour. Je me suis mis un gars fou là, moi. Pas critique-moi. Pas critique-moi. Tu veux commencer à faire des autres, dis-le. Merci Seigneur. Le ministère, comme si je dirais, pas capable de poser question. Mais non! Mais non! Pose deux questions. Qui est Frère Bora? Pose deux questions. Essaye de connaître qui est ce gars. Comment ils vivent? Non! Pas qu'il y ait question un ministère. Pourquoi? Pour votre droit d'affaire, ben, béré, hein. Qui est l'apôtre Paul? Qui est l'apôtre Paul? Au Père, ça. Au Père. Bon, quand je dis ça, je me questionne. Mais il y a une fois, quand Paul finit pressé, écoutez, après, tu as la case d'un nom, pas qu'à partir qu'il faut grandir. Dans la Bible, dans l'écriture, ben, béré, hein. Mais qui se peut questionner là? Je peux questionner tout le ministère de l'apôtre Paul. Ça vous dit, trop beaucoup de chrétiens payent pour questionner le ministère d'un homme. Non, questionne mon ministère. Essayez de comprendre ce que vous pouvez faire. Essayez de comprendre. Vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit de fournir ce que vous pouvez faire. Vous avez le droit de donner la vie personnelle. Vous avez le droit. Non, je vous dis non. Ça, c'est un bon. Mais il y a un autre problème. Le diable pouvait rentrer très très facilement, très très facilement. Merci Seigneur. Connaissez-vous ça? Là, moi, je me trouve qui est rapidité. Là, moi, je vous dis que je suis le first man, new man, le diable, give me worship, donne-moi l'adoration. Moi, je me trouve qui, 40 jours, tu sais, il finit substituer Dieu par un volume. Right? On doit nous faire intéressant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Salut, mon Dieu qui fait. Saül, mon Dieu. Et quand, au moment que les temps, vous dites, ok, Saül, le roi. Il y a un prophète, tu vois. Prophétisé. Le roi, Dieu qui dit. Pour beaucoup de raisons, je connais très bien. Tout de suite, comme un bon Dieu qui dit, il y a la recherche d'un le spiritualité. Il n'est pas qu'à vivre sans la spiritualité. Il y a la recherche, comme il allait. Endo. Il en regarde le dernier sorcier qui restait. Lui-même, il va sortir là. Lui-même, il va sortir là. L'hiver, les chefs, ça connaît, c'est un dernier, ça fait. À Endo. Et qu'il fait? Il y a là, Endo, consulter cette sorcière qui supposément fait un mot de Samuel. C'est pas Samuel, ça, je vous raconte. C'est pas jamais Samuel. Parce que Samuel montait comme un vieillard, là. Mais, on the other side of life,
There is no aging. Pas vieillissement. So, and le zoom. And le zoom raconte tout ça. There is no aging over there. Quand le boulet de côté là-bas, le tout pénal. Youf. Bon, le zoom est là. Donc, c'était pas Samuel. Tout le monde comme ça. Quand la spiritualité, quand bon Dieu tourne sur les doigts avec toi, il est question de vivre aussi. Tout de suite, tu parles de notre spiritualité. Just to keep the trend. Just to keep the trend. Tu m'as envie de quitter God dans un homme, ça. Et dis-moi, prévoquer. Parce que je vous trouve la spiritualité toujours. Manifestation toujours, manifestation toujours. Toujours. But which one? Lequel? Venant de Endo? Parce que Endo, il fait un travail de travail. Faire remonter un mot. Au fait, ce n'est pas un mot. Un de nous, ça. La spiritualité, ça. One level. Still going on. Même qui m'ont dit qu'il doit y aller. Oh, c'est dommage. Et qui te lance à l'église là, toi, là-dedans. Tu fais à quoi? Tu m'ont dit rester. Non. Tu adoreras le Seigneur lui seul. Un God fou, ça. 2000 only, me crée le mot, forme de retrait. Pourquoi only? Si quelqu'un a ajouté 900 et quelques après, ben 900 et quelques, c'est Staline. Only, c'est un God fou. C'est un God fou. Pourquoi je dis only? Lui seul. Cette tendance, le diable, il est infiltré. Où se trouve le diable? Dans l'enfer, menti. Ce n'est pas dans l'enfer, menti. L'enfer, c'est un lieu de punishment. C'est tout des mots, c'est un lieu de punishment. C'est pas une résidence. Non, c'est pas une résidence. Où habite le diable en enfer? Oui, par terre. Pas de résidence, ça. L'enfer, c'est un lieu de punishment. Tout le monde en a embêté, nous. Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Où habite le diable dans l'église? Carrément dans l'église. 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 C'est pas un bon client qui ne veut dire. Merci Jésus. Et mon content d'avoir dit, d'abord, qui puissance te fera vivre? Est-ce qu'à Jésus-Christ, je dis, on s'apporte, qui puissance? Zoé, tu m'as dit, on va passer là. Parce que, dans qui puissance, tu peux guérir tout le monde? Dans qui puissance, on peut prophétiser là, pasteur? Tu as dit, qu'est-ce que le pasteur là? Parce qu'il y a un name, il y a une fame, il y a un status. Tu as dit, quoi? Ah, c'est Jésus, Jésus-Christ, tu m'as posé une question. Mais toi qui dois, pas gagner, demande toi. Mais so what? So what? Qui tu étais toi? Ah, mon ami, non, on m'appelle. Moi, je suis même. Ouais? Mais Jésus-Christ m'a dit, dans qui le tout qui t'étouffera? Dans qui le tout? Dans qui le tout qui t'étouffera? Bon, reconnais-moi Jésus-Christ, c'est ce qui vit là-dedans, ça m'a une soupe là-dedans, on va voir là-dedans. Mais non, questionne-toi. Et il dit, là, il a dit, oui, mais. Oui, il doit une vague. Est-ce Dieu ou le diable? Est-ce Dieu ou bien le diable? Et si le diable, ça, tu comptes y rester? Mais à un homme de qui parle de toi. À un homme de qui parle de toi. Donc, dit beaucoup d'églises dans Agno. Sur l'Amérique, sur l'Afrique. Moi, je dis, vous savez, moi, l'église entier le monde, moi? Ah oui, moi, l'église entier le monde, moi. Entier le monde, moi, l'église. Entier le monde. Beaucoup d'églises dans l'Afrique, dans l'Amérique. Ben, parce que je dis mingle avec le diable. Je dis la même power qui vient du diable. Et je prescris l'évangile. Et je parle en langue. Ça, c'est un petit chou. Il y a pas de doux. Comment ça? Un autre mot, c'est le coup. Mais c'est même l'église qui. Il y a un grand témoignage. Ben, la raconte, les autres. Un grand témoignage. Qui mène l'église, comme le pasteur là, je mingle avec la sauce et le riz. La sorcellerie, et je peux pas faire mon grand miracle. L'église a plein, papa, plein. Plein. Merci Seigneur. Vous voyez, dis-moi une soif miracle. C'est ça le problème. C'est ça le grand problème. Soif pour trop miracle. Maintenant, une zoom, là, tu poses une question. Seigneur, fais un peu miracle. Mais, religieux là. Et qui dit, ben, Nathan, ça bien. C'est comme on dit quand il y a la Bible. Il a fait bien attention. Fais bien attention. Guette bien quand lire. Quand lire, guette bien. Il y a une génération pervers et méchant des manoirs fait un miracle. Zodi, l'église parlait de son style de vie. L'église parlait d'un message que tu voulais dire, vivre holy.
vivre dans la servitude. Pas les gars, ça dit. Il y a une génération méchante qui peut arriver avec un miracle. Donc il y a un autre miracle qui se là. Je te rappelle ça, cette histoire. Mais quand moi envie de jouer là-dedans, là, explique ça bien. Tu n'as pas envie de changer, venir à la hauteur de Dieu, toi. Pourtant, c'est ce miracle. Je dis ça, le Seigneur. Fais un miracle là, nous guettons, Seigneur, fais un miracle. Il y a bien une génération pervers et éveillé mauvais. Mais on a un miracle. Il y a même le miracle de Jonas. C'est pour ça que c'est notre histoire en gros. Mais on veut nos autres qui. Non. L'église vient pour qu'on corrige l'église, pour qu'on montre l'église. Comment Dieu vient vivre, pour te saluer. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Multiphilippiens. C'est notre issue en gros là. Merci Seigneur. Le danger qui le chrétien va dans le diable, c'est exactement pour Dieu. Partout, écoute. Merci Jésus. Merci Seigneur. Vous venez, du moment où sans une formule, du moment où sans une formule, bon, tu me connais comment faire ma mayonnaise, tel tel ingrédient, tel tel façon faire dire, tu sans formule là, ça ne met aucun mayonnaise mon Dieu. Tu sans formule là. Mais les ingrédients ne sont pas bizarres là-dedans. Ça ne met aucun mayonnaise mon Dieu. Exactement avec la loi de Dieu, ça met au sens un petit iota là-dedans. Ça met au sens un petit iota là-dedans. Un petit point qui vient ou pas changer. Comment vous changez? Ou dans cette terre du diable. Regarde ça. Samuel dit à Saül, le roi, fais la guerre, tu dis moi, parce que tu offres de l'épée, etc., personne vive. Samuel, Saül, pardon, il épargnait quelques bétails et quelques richesses. Il épargnait ça. Bien, ils se sont retrouvés. Quand Samuel vient de dire, Samuel vient de faire la guerre, là, ouais, on a bien, correct, on cuillait, whatever, mais. Samuel a dit, mais autant, ben, je l'ai mis frère, crier, là, il a dit. Il dit, ouais, tu connais, mais ça, ben, zomlen, god, ça. Vous devez vous dire ça! Tant ça, l'engagement. Vous devez vous dire même ça, même. Et puis, réinterprète l'autre, là. Et puis, réinterprète l'autre, là, non. Là, c'est parce que tout le monde file de l'épée. Il dit non, mais on donne des droits pour donner ça à mon Dieu. Comme l'église, on dit tout ça exquise. Non, mais non, mais non, non, mais non, mais non, mais non, mais. So what? Tu peux sans être formule là. Et que ça me dit de ne désobéir à Dieu. De ne désobéir à Dieu. Et la royauté est désirée au cœur. Il n'y a pas le bon suicide. Ça, c'est une histoire. Comment une église peut s'en formuler l'autre? Ça, même quand j'ai écrit, si tu as un verset, comme ça, ça, si tu as ça longtemps, ils ont dit les divers. Mais ils ont dit, non, ça a longtemps, ça, frère, ça, Rode, Estamel, ça. Ils ont dit, arrête trop d'esquisses. Arrêtez. Arrête trop d'esquisses. Comment tu sens formule de l'entendu là? Comment tu sens formule? Tu dois prendre du temps. Comment bon Dieu qui a dit de faire pareil comme ça. De faire pareil comme ça. Donc là, on trouve une critique d'aujourd'hui. Je ne sais pas si ni personne n'a ce nom, ni tout le monde, ni. Je dois vous connaître ça, ça veut dire. Ben là, crie, papa, papa. Ah, papa, 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 papa. Alors, tu viens de faire un bob, fais un petit commentaire au Facebook. Bien, mon frère, arrête de faire crier, toi, papa, parce que je vais dire, parce qu'il me gêne, papa. Là, le qui vient lui expliquer, il y a un autre, pour les frères, mais. T'es crédit, papa, c'est le leader, hein, crédit là, papa. Et. Le crédit, papa, en respect, etc. Mais tu vois là, même langage qui ça eu. Même. Si bon Dieu, peut-être pas crédit, papa, mais pas crédit, papa, bien sûr, papa. Pas crédit, papa, bien sûr. Non, on va comprendre que ça soit. Trouver l'excuse. Tu vois? Il de la papa. Go deeper, papa. Go deeper, papa. Go deeper. So what? Tu peux désobéir là. Et quand tu désobéis, tu es dans le camp du diable. Non, avec la parole de Dieu telle qu'il dit. Le chrétien avec la parole de Dieu telle qu'il dit. Puis la modification, vous dites, la modification, ça n'est pas applicable. Non. Et la quelque chose qui vous connaît, lui, ça va être différent avec l'ancien, ça c'est vrai. Mais pas tout. Il faut les comprendre. Si on dit, vous voyez, on a fait un name of revelation, dans le nom de révélation.
Recommet baptisos umbilical et parti dans l'église. Ouais, bon, j'ai nous une révélation, frère, vous avez ça. Mais frère, dans la Bible, quoi trouve ça? Mais bien, non, ça, bon, j'ai une révélation, moi. À le cacher de m'occuper de l'église, moi, allez. Dans le cacher. Ouais, frère, tu connais, mais. Oui, bon, j'ai une révélation, moi, ça, bon, j'ai fait ça, bon, j'ai fait ça. On va vous citer, hein, parce que je vous citer là, un tabouret cause. Mais frère, dans la Bible, quoi trouve ça? Et ce qui va la faute, il fait ça? Je suis aussi cause de la doctrine des apôtres. Est-ce que l'apôtre qui me fait ça? Non, mais moi, bon, je te révèle, moi. Mais tu es qui, toi, hein? Tu es qui, toi? Arrête ça, jouer là. Arrête ça, jouer là. Au nom de révélation, beaucoup d'affaires passent. Tu veux des famous, quand on est. Parce que mon autre famous, hein? Non, mon autre famous, moi. 40 ans, 45 ans, moi, je prêche l'évangile. Anyway, moi, je suis bien normal. Ou bien normal, moi, je suis du monde. Et si on veut que mon frère Gora, pas de souci, hein. Jamais on va voler, j'ai gagné mon frère Gora. Mais si on veut que mon pasteur, ça va, tout le temps. Ok, ça va. Mais regarde ça maintenant. Tu as une femme qui est fameuse dans ce dépôt. Et tu as un esprit de divination dans l'île. Et pendant qu'il peut le déprécier dans l'île, tant ça, tant ça, quoi, tu veux dire. Tant ça. Les mingles avec. The same congregation, avec même congrégation. Vous voyez ce que vous dites, hein? Les mingles avec même congrégation de Paul. Il dit, ces hommes vous annoncent la voie du salut. Nothing wrong, là-dedans. Nothing wrong. Et même Paul, il dit qu'il faut rentrer. Un approval. Mais la Bible dit bien. Un peu plus tard, quand l'apôtre Paul sentit les fatigué dans son esprit. Pas tu vous connais ça? Ça forme un esprit divination. Pas tu vous connais un démon ça? Tu pourquoi? The Holy Spirit is doing that. Et tu peux aussi croire ça, à un moment donné. Il dit après plusieurs jours là, combien de mois? Après des mois? Pas connais-moi! Et là, Paul dit comme ça, il fatiguait son esprit. Il tournait cette femme, il y a des mots, toute cette femme. D'ailleurs, il trouvait un démon. Ils ont dit comment causer? Comment un démon infiltrer l'église? Comment le diable infiltrer l'église? Vous regardez là? Mais là, cette femme est dérouvée, etc. Le scénario, finalement, Paul rentre dans la prison à cause de cette histoire-là. C'est une longue histoire pour raconter. Qui m'a permis de dire? Même congrégation. Une femme qui est fameuse depuis la nuit des temps dans son milieu. Madame de Nicole, Code Blanc. Code de Nicole Blanc. Et il y a une sorcière. Vous connaissez une femme qui fait pour pas pour envie une fameuse. Tout comme moi, tout pas comme moi, ça passe en dans vie. Vous voyez? Très important de comprendre ça. Et l'apôtre Jean, vous pouvez connaître la parole, je vis déjà pour moi. L'apôtre Jean vient de la faire. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et si diamant comme ça, bien qu'est-ce que vous connaissez? Connais-moi, quand on a dans le commerce quelque part, très souvent, mais moi, ça, il arrive aussi ça. Mademoiselle dans le commerce, ça passe oublier le banque, dans un petit appareil de ultraviolet. Pourquoi? Parce qu'il y a faux déo. Et faux là. On n'y a pas trouvé. Ben Mamzel Kilo, voilà, qu'est-ce que c'est là? Vous avez un petit appareil ultraviolet. Et pas s'oublier là-dedans. Vous checkez. Faites-le checker. Faites-le. Trop similaire. Faux billet là, vrai billet là. À l'œil nu, on va vous trouver. Vous avez un appareil qui dit où ça? Et récemment, on a trouvé à Boris qui même un appareil, voilà. Une bluffée. Hein. Tellement c'était pareil, quoi. Ouais. Mais l'apôtre Jean dit, hein, éprouve les esprits. Vous allez y aller? Vous allez y aller? 1 Jean 4. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Rentre dans l'église, vous miracle, guérison. Vous avez de la foi? Blindly. Bon, pas comme ça. Vous pouvez poser la question. Comment tu fais ça? Qui est-ce que tu veux dire à l'époque? Faire ça, je suis ça. Are you sure? I'm not sure.
mais éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, quand plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nos frères aussi à l'église, on dit, sur l'église, on dit, à l'église, 20e siècle, que tu peux vivre là, de tremper de Dieu. De tremper de Dieu. Beaucoup milieux trempés, malheureusement. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand tu trouves Dieu dans le diable, dans l'Éden, le diable aime. Dans l'Éden, l'aime. Par les pharaons, il aime. L'Église, l'aime. Le diable peut rester dans l'enfer. Marche, il va aller dans l'enfer. Il est dans Dieu-même. Merci Seigneur. Pierre, l'apôtre Pierre. Qui est Pierre? Il s'est mis le diable en même temps le Christ. Ah bon? Ayez de moi, Satan. Dit Jésus à Pierre. Why? Parce qu'il n'y a pas un moment, il s'est mis le diable. Pas un moment, il s'est mis le diable. Ayez de moi, Satan. C'est, il va faire mieux Pierre que Pierre et Satan là. C'est la pensée qui vient de l'île du diable. Merci Seigneur. Je vous servis au gré, lis tout seul. Une désobéissance te fait, de l'autre côté, te fait une sens royaume, dans le diable. Et je trouve ça très cool, il paraît. Non, so what, pas des potes, Olivier. Merci Seigneur. Maintenant, écoute ça bien. Là, on va pouvoir raconter l'histoire, on va pouvoir écrire les dents. On va raconter l'histoire qui devient très très importante et très profonde. Merci Seigneur. Dans l'église, quand il y a la mauvaise doctrine, c'est comme moi, vous prenez au moins, je suis dire mon beau papier ce week-end. Vous prenez 50 messages, dans 50 messages-là, Dieu là-dedans, un biblical. Dieu là-dedans, pas rightly correct. Il y a une fausse doctrine. Et le mot message, vous pouvez prendre l'exemple au moins là, il y a une fausse doctrine. Je dis ok, mais parce que la caille ratée, mais pas grave, dès dans 50, 48, bon là-dedans. Run, phone, qui t'église. Extra d'anglais. Du moment où il y a la fausse doctrine, du moment qu'ils ont un biblical qui annonce, moi l'homme de Dieu, moi bien annonce ça. L'idangerie. Donc, le chrétien, il dit qu'il faut grandir, il y a un des messages qui est un biblical, ça va. Non, on va raconter là. Et nous avons fait un message subliminal, subliminal. C'est quoi? On va voir tout là. Dans les années 70, on a découvert que certains hard rock, 10-20 et hard rock, quand je dis un 10 normalement, quand ils tournent, ils tournent clockwise, dans le sens du réveil, sens de un réveil. Je ne sais, je sens ça, 10 là, anti-clockwise. Et vous connaissez qu'il y a leur track, là, dans le distant. Message du diable. Bon, je ne concevoir les concerts, je ne déjà connais le fait. Par exemple, elle a une santé qui, John Lennon santé, number nine. Je vais y aller en vire. Smoke marijuana. Ou bien, let's die young and go to hell. Après qu'on s'y là, une dame pour craser du monde dans son lit. Mais un message subliminal, subliminal, qui a l'appel de sa frappe là. Suivez-moi, vous regardez, vous racontez l'histoire là. C'est un bon sang hamburger. Ligne de mèche avec le directeur qui produit un film. J'ai dit, monsieur, bonjour. Vous racontez l'histoire là. Alors, bien vrai. Vous voyez, un film, c'est quoi? Vous tirez un coup de poing. C'est photo. Voilà le film. On me tient beaucoup de poids comme ça là. C'est photo. De là, il y a un film. Bon, il y a un film comme les photos, il y en a. Pas quantité. Photo. Là, il y a un film. Alors, moi, j'ai encore fait le cahier. Il y a un dessin. Après, il y a un mouvementé. Il y en a différents le pas.
tourne par ça, vite, vite, il fait un mouvement. Je connais ça. Il fait une fille. Bon, ça, hamburger, il y a un directeur, ça fait là, producteur, fait là. Mettez une photo hamburger dans 10 ans, 10 ans, là, au film. Parce que quand on a des films, 10 000 photos passées, un hamburger parti. Vous pouvez. Non, jamais vous trouvez. Jamais de vous visible. Jamais de vous visible. Et Déo va son hamburger, et quand vous payez le film, vous, et ça va un hamburger là, parce que vous faites, vous avez un hamburger. Parce que vous sommes conscients, ça nous joue beaucoup de sous-confiance. Vous sommes conscients, et finalement, vous êtes un hamburger. Bon sang hamburger, une millionnaire de haut. Et une casse-fan avec produit de film. Parce que le message, d'une façon subliminale, il rentre dans le subconscious. Vous voyez d'accord à moi. Je vais donner l'exemple. Ou croire un panneau publicitaire qui est haut l'eau, c'est un billboard. Vous voyez comment écouter ça? Vous voyez comment écouter ça? Mais ça, le soleil, la vidéo, un panneau billboard. Vous voulez comment écouter ça? C'est un panneau, sans exagérer. Il a fait 30 000, 40 000 euros. Là. Plus sûrement, soit l'idée qui compagnie la pays. Mais voilà, imbécile, ça. Le subconscious catch up the image. On rentre de l'église et il a 50 messages. Dieu n'en a pas beaucoup. Nous avons excusé, c'est correct. Non. Ou subconscious in catch-up, ça dévient des messages unbiblicals. Ou subconscious. In catch-up, ça dévient des messages unbiblicals. Et pour wrong ou life, vous détruire ou la vie. Vous détruire la vie. Faux messages, fausse doctrine, plein d'autres. Comme on dit, ouais, ça, pas biblique, ça, c'est quoi. Ouais, pas biblique, ça, c'est quoi. Et vous donnez l'église, ça, crowded, hein. Crowded. Merci Jésus. Him alone, comme c'est lui, c'est lui. C'est ce qui est créé, ça. Parce que le danger qui te sert, le diable en même temps et Dieu en même temps, il a. Tu sais, merci Seigneur. Donc, là, vous avez terminé, vous pensez, les temps 50 minutes, partout, on a beaucoup d'affaires à dire. Mais maintenant, on a la combine juive. Écoute-moi bien comme Dieu vous tient. La combine juive de l'Ancien Testament. Et qui ne peut pas trouver qui bon Dieu fait pour la meilleure nouvelle. La meilleure route du monde. Pas de nouvelle, trouver le passe là-dedans. Je ne mange la viande caille. Vous connaissez caille, c'est quoi? Mais dans la viande, plus risque en source de protéines pour ma caille. Si je ne me trompe pas, c'est 19% protéines dans la caille. Above beef. Caille 50 cm de la terre, le manger. Et vous connaissez caille, c'est un oiseau marécage. Un oiseau qui vit dans marécage, au wetland. Et quoi de midi dans les îles? Qui a fait ça, monsieur? La vie, c'est long, c'est mon rentable. Suis-moi bien, moi, comme il y a où là. C'est même du monde qui trouve colonne de nuée, colonne de feu, morse devant eux littéralement. Ils ont des milliers de laser. Un rayon laser capable d'éclairer, disons, 15 km. La chèque est beau. Cette colonne de feu et des lasers de l'époque. Ils éclairent du chemin. Dans les airs, mais dans la lumière. Vous êtes morcés. Une congrégation, combien de monde là? 5 millions de monde, 6 millions de monde, on ne sait pas. Mais ce sont c'était des millions. Je trouve que nous vivons pas ça. Comment les gens du côté vivent là, ils vivent pas ça. Ils vivent pas ça. Ils mangent un man. Ils mangent un. Comment ça, ils vivent tout la man, ils mangent un man. Vous voulez bien un gros bouillon aussi. Je souliers pas ici. Vous voulez un soulier la voiture 42. Il y a un an de service, un an, pas un an et demi. Il est presque pour moi à la poubelle là maintenant. 40 bananes suivies par ici. Elles en font 5 ans, sont dans les îles. Sont pointures 25. Ils arrivent d'abord là, c'est 42.
Mais la magasin, tu es la plus de ce pied. Visite la Wagon. Ça, c'est notre Dieu. Il prend une chemise, voilà une chemise, taille 42. Quand il s'est sorti, il met la chemise numéro 12 avec lui. Il a 5 ans, petit là. Il est dans le magasin mosqué. Il est dans le magasin mosqué. C'est mis à grandir le lit. Et ça, c'est bien, c'est que Simone lave ça, il fait un bouleuse pour parler de qui. Pour vous garder pour la case, l'âme de Dieu. Il vous fait un bouleuse, il était là. 40 bananes, mais la bouleuse. Qui est notre Dieu? Qui est ce Dieu qui a besoin de vous? Qui est ce Dieu? Au moment que l'État vous fait vous dire. Il y a où qui est ce Dieu? Ça va le même juif là. À la dos, bon Dieu, transi. À la dos, bon Dieu, transi. À la dos, statue. À la dos, bon Dieu, ben aboréen, ben demain des yeux. Moi, envie de ça qui est là, ça vous dit. Et t'as un imbécile qui te trouve. Qui te trouve. Moi, mon Richard m'a fait, mon colère. Qui te trouve. Regardez, le diable, il est infiltré. Il est infiltré. Bon, il y a ce mix, ce que la nation juive. Dérouté. Chaque fois, il y a en exil, qui fait hein? La désobéissance. Moi, dans mon époque, quand je la parole de Dieu, je ne peux pas me dire qu'il m'a trouvé. Bon, en fait, c'était là. La manne, si mise, je ne peux pas dire tout cela. Et mon fidèle à mon Dieu. Et mon pourrais être fidèle à mon Dieu. Qui est Jésus-Christ. Mais qui fait? Tendance dérapée, faux. Tendance dérapée là, faux. Fais attention qu'il l'église voit. Fais attention qu'il l'église voit. At the end of the day, vous gagnez une déception, non-retour. Vous perdez Dieu. Comme un serviteur de Dieu, vous perdez Dieu. Ma toute fausse doctrine. Mayusak. Folie. Run. Run. Parce qu'il y a maintenant un message aux 48 frères. Un photo hamburger ou un film. So what? Merci Seigneur. Lorraine dit qui peut jouer. L'envers du trac, mais ça, ça, let's die young and go to hell. Après qu'on s'est là, des dizaines de mots, crasés par la foule. Message subliminal. On va plutôt lire fausse doctrine. On va aussi avoir beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup d'affaires aujourd'hui. Fier parce que mon église est gros, moi dans le cœur de Dieu. Et Dieu peut souffrir parce que sur l'église peut tremper, puis baigner dans le péché, puis baigner dégoûté. Et beaucoup dans la phrase, il dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Voilà quand l'église vient à l'église. Vous ne pouvez pas dire que l'église, hein? Vous pouvez dire que l'église, hein? Non. Vous ne dire que l'église, moi? À vous de voir. Gouvernement ou choisir, on met la croix. Papa ou pas choisir, hein? Ou négné, ça ou papa? Pasteur ou choisir? Ouais, pasteur ou choisir? Ou connaît qui pasteur ou suivre? Ou guetter ou? Qui pasteur ou pas le manger d'un côté? Il a beaucoup long. C'est un message qui m'a dit aujourd'hui. Probablement, peut-être, le Christ retourne à l'air. Nous venons avec vous. Nous faisons notre travail. À vous de voir. Amen. Amen. Et vous verrez là ce matin? Vous verrez là ce matin? Alléluia. Nous faisons un dimanche prochain. Beaucoup la même place. Là. Vous pouvez toujours sur Facebook. Et après, plus tard, vous mettez le YouTube. Sois béni. Et be blessed. Amen. Amen.